Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo avec Fifi, bien sûr, comme d'habitude. Aujourd'hui, je vais vous montrer mes deux tricots en cours. Oui, j'en ai deux en cours. Oh, j'ai froid. puis, vous donner un petit peu de mes nouvelles. Alors, les nouvelles sont pas mauvaises. Voilà, bon, j'ai une sale tête, hein. Mais bon, ça c'est pas grave, parce qu'aujourd'hui j'ai mal à la tête. J'ai été faire un test de contrôle aujourd'hui, un test PCR, et je suis redevenue négative, voilà. Donc ça c'est bien, c'est la bonne nouvelle. J'ai pas été positive très longtemps, hein, vous voyez. Je n'ai eu aucun symptôme. Donc ça va. Maintenant je suis négative, mais c'est maintenant que j'ai mal à la tête, mais ça c'est autre chose. Je suis très fatiguée parce que là c'est cette nuit, j'ai eu beaucoup de mal à dormir. Donc là il est presque 22h et je commence à tomber et c'est pour ça que j'ai mal à la tête, je crois. Donc de ce côté-là, bah, ça va. J'ai eu mes nouveaux rendez-vous du coup pour mon opération déjà. Je dis déjà, mais ça va pas être tout de suite. Je vois l'anesthésiste. Je vois oui, mon bébé. Je vois l'anesthésiste le 1er mars. Voilà, et j'ai eu la date tout à l'heure pour l'opération. Je me fais opérer donc le 23 mars. Voilà, donc c'est reporté. On m'avait dit 15 jours, 3 semaines, mais bon, c'est largement reporté. Mais bon, tant pis, hein, on ne peut pas faire autrement. J'espère qu'il n'y aura pas de soucis entre deux. Ah, ma Fifi, oui. Le jour où j'ai fait mon test PCR, où j'étais positif, ce jour-là en plus, j'avais vu un autre chirurgien une demi-heure avant, donc sans savoir que j'étais positive. Et là, ce chirurgien-là m'a demandé, par contre, parce que pour moi, avoir une opération au niveau du ventre. Elle, parce que c'est une dame aussi, elle, par contre, ça va pas tout de suite, parce qu'elle m'a demandé de perdre minimum 10 kilos, minimum. Donc, bon, c'est pas pour tout de suite. Voilà, bon, de toute façon, là, c'est pas une opération vitale, rien, donc, voilà, on verra. Donc, voilà. Donc, je suis redevenue négative. J'ai ma date d'opération. Et puis, voilà. Pardon. En même temps, alors, je ne vais pas vous montrer comment ça fonctionne aujourd'hui. J'avais demandé à Chouchou de passer, du coup, sans savoir que j'étais négative, de passer en vitesse à action pendant qu'il était parti faire les courses. Et il a trouvé ce que je voulais. Alors, c'était ça, un cutter rotatif. C'est pour couper le tissu. Excusez-moi, je baille, mais je suis vraiment fatiguée. Alors, c'est pour couper les matières souples telles que le textile, le cuir, le papier, le carton. Voilà. Donc, dans la semaine, je vous ferai un petit tuto. Donc, il l'a trouvé. Je vous redirai les prix. Je crois que ça doit être dans les 1,90€, un truc comme ça, je crois. Et en même temps, il m'a trouvé donc le tapis magnétique. Que je voulais, voilà, ça vient de sortir, donc je le voulais aussi. Excusez-moi, je suis vraiment désolée. Donc c'est pareil,
je vous ferai une vidéo dessus pour vous montrer ce qu'il y a dedans. Ce qu'il y a dedans, on le voit là, hein. Il y a le tapis, les aimants et une règle. Voilà. Mais je vous ferai une vidéo également dessus dans la semaine pour vous montrer comment on peut s'en servir. Voilà. Donc ça, c'était dans les 4 euros quelque chose, bon, moins de 5 euros. Voilà. Donc ça va, il m'a trouvé mes deux, les deux articles que je souhaitais. Mais je vous ferai donc une vidéo. Excusez-moi pour ces petits bâillements. Donc je vais vous montrer mes deux tricots du moment. Alors il y en a un, je vais vous le montrer, je vais vous expliquer en vous le montrant. Le tricot est terminé. Le montage n'est pas terminé. Parce que du coup, j'étais positive, j'ai stoppé le montage. Comme c'était pour ma petite fille, j'ai dit stop, j'y touche plus. Bon, c'est peut-être bête, hein, mais bon, j'ai préféré ne plus y toucher. et je reprendrai dans la semaine le montage. Il est presque terminé. Hein. Et l'autre tricot, c'est pour moi. Allez, on change et je vous emmène avec moi vers mes tricots. Donc voilà, ça c'est le tricot que je vous parle pour ma petite fille. Voilà, donc vous voyez là, la manche n'est pas cousue, le côté non plus. Les épaules sont cousues. Ici, le côté est cousu. Voilà, et là, il me reste la manche. Commencé mais n'est pas terminé. Voilà, donc voilà le pull. Alors il me paraît grand, mais bon, je l'ai fait, on m'a dit de le faire en 12 ans, je l'ai fait en 12 ans, mais bon, il me paraît grand, on verra bien. Mais bon, des fois ça paraît grand comme ça, puis après je verrai avec ma petite fille dedans, hein. Donc le voilà, donc il a été fait avec de la laine pingouin, la Pingo First pastel. Voilà. Non, ne viens pas sur la laine. Non, 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 Fifi. Non, 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 non. Non, pas sur les pulls. Hop, merci. J'ai pas envie que tu me fais des bouclettes. Donc, je disais, il a été fait avec la laine pingouin, la Pingo First. Je vous remettrai le lien de la laine. Voilà. Et je vous mettrai le lien du modèle, puisque c'est un modèle gratuit. Voilà. Donc, en haut, c'est fait avec des côtes. Voilà, côte 1-1. Le haut des manches est fait aussi avec des côtes 1-1. Et le bas du pull est fait avec des côtes 1-1 également. Voilà, et puis le bas des manches également, bien sûr. Voilà. Et le dos est bien sûr pareil. Hein. Voilà. Et ici, donc, là, c'est le début du pull que je suis en train de faire pour moi. Voilà, donc ça, c'est le dos. J'ai commencé il y a 2 jours. Moi, il y a 2 jours. Donc, ce sera en jersey. Il est fait en bergère de France, en barisienne, en couleur bambou. Voilà. Donc là, il est tricoté en 3,5 pour le jersey et en 3 pour les côtes de 2. Voilà. Donc, le modèle, c'est ça. Col roulé version classique, voilà. Mais je vous mettrai le lien également pour trouver le modèle. C'est un modèle gratuit sur Bergère de France. Donc voilà, j'aime beaucoup la couleur. Le modèle lui était en marron foncé et j'aimais pas beaucoup. Donc voilà, donc vous le verrez un petit peu au fur et à mesure. Voyez, bon, de toute façon, quand on voit, il n'est pas compliqué à faire. Hein. Donc,
Voilà. Donc celui pour ma petite fille et le mien. Donc voilà, bah j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Fifi qui revient. J'ai une autre vidéo à vous préparer. Là, je suis en train de vous préparer aussi une vidéo sur le Pulse, parce que je l'ai commencé. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous préparer? Je ne sais plus. Avec cette semaine là qui était un peu mouvementée, j'ai un peu le cerveau en confiture. Donc voilà. Bon, c'est pas grave. N'hésitez pas, comme d'habitude, hein, si vous voulez des choses en vidéo, me le dire en commentaire. Je vais faire aussi un peu de coloriage cette semaine. Ça va me zen. Ça va me faire zen. voilà. Et nous, on se retrouve très rapidement pour de nouvelles vidéos, nouvelles aventures et plein de belles choses comme d'habitude. À bientôt. Bisous, bisous. N'oubliez pas les commentaires. Gros bisous. À bientôt avec Fifi.